C'est toi, Tommy? Tomangelo. Inspecteur Norman. Y'a que toi? Y'a aucun flic qui viendrait dans ce rat, sauf s'il bosse pour les services de l'hygiène. Alors, je vous sers quoi? Un café pour moi. Merci. Un petit whisky? Non, merci. Comme tu veux. Donc, au téléphone, tu disais que t'avais une proposition pour moi. C'est ça. Écoute, si tu cherches un ripou qui trempe dans des trucs louches, t'es mal tombé. Je cherche pas à me mettre en affaire. Bien. J'ai rien à partager. Je peux même pas payer ce café. Et j'ai quelques infos intéressantes. Ok, je t'écoute. T'es dans cette ville depuis quand? 3 ans. Et ils t'ont refilé l'affaire Morello. Comme ça, directement. C'est ce qu'a dit la presse, oui. Et c'est quoi le rapport? Ouais, pas de chance. L'enquête doit piétiner alors qu'il est, non? Pourquoi? T'as quelque chose de neuf pour moi? Ouais, ça se pourrait bien. Et tu veux quoi en échange pour ces infos? De l'argent? Ou bien une espèce d'immunité? Non, je m'en fous de ça. J'ai des personnes à protéger. Ah, la famille. C'est toujours le talon d'Achille, pas vrai? Bon, de qui on parle? Une vieille maman ou alors une femme et une chier de marron? Ma femme et ma fille. Et j'imagine qu'il y a personne d'autre pour s'en charger. Je serais pas là sinon. C'est moche. Mon vieux disait toujours qu'un homme a besoin d'amis s'il veut survivre dans ce monde. Ouais. Bah, dans mon monde, c'est un peu l'inverse. Pourquoi je suis pas surpris? Bon, je peux rien promettre pour ta famille. J'ai d'abord besoin d'entendre ce que tu as. Donc, t'es prêt à parler? Ou t'attends simplement qu'il réplique pour te buter? Parce que tu crois que je suis en cavale? Oh, je le crois pas, je le sais. Merde, regarde-toi. T'es essoré, ça fait des jours que t'as pas dormi. Et tu vas te choper un putain de torticolis à force de regarder derrière toi. À vue de nez, je dirais que t'as quelqu'un de coriace et puissant à tes trousses, et pas du genre à abandonner, pas tant que tu respires. Tu passes cette porte sans moi, on sait tous les deux que tu fais pas 2 mètres sans prendre une balle. Mais si tu restes ici et que tu racontes ta jolie petite histoire, va savoir, peut-être que tu vivras assez vieux pour voir ta fille se marier. Dans tous les cas, je suis bon pour te payer un café. Putain, je sais même plus comment tout ça a mal tourné. Personne ne voit jamais rien venir avant que ce soit trop tard. J'imagine que t'es pas né dans le milieu, je me trompe? Non. J'étais taxi, ça remonte aux années 30. Je bossais surtout de nuit, ça rapportait plus. Ce jour-là, je venais de terminer. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur Polly et Sam. Où est-ce qu'on va? Roule! J'ai un flingue pointé sur toi. S'il nous rattrape, on est mort, mais tu t'en sortiras pas non plus. Eh, je veux pas dormir, moi. C'est un peu tard pour ça. Roule! Mais comment ils ont pu savoir qu'on serait là? On s'en fout maintenant, il faut qu'on les sème. Ah, on a combien de voitures au cul? Une seule. Mais ça va pas durer. Accrochez-vous, je vais tenter quelque chose. C'était qui ces gars? Tu poses trop de questions. Il faut traverser le fleuve. Prends le pont de Giuliani.
Bon, d'accord. Ta jambe, ça va aller? Ça fait un mal de chien. Quand on rentre, j'irai chercher le doc. Je sais pas, ça va peut-être s'arranger. Ouais, bah c'est lui qui nous dira. Hé, hey, je te vois en train d'écouter le taxi. T'as pas le droit d'écouter. Non, j'écoute pas, je m'occupe juste de vous conduire où vous voulez. Continue comme ça. Bon, on est au fleuve. Où est-ce que je vous emmène après le pont? Tu m'emmerdes avec tes questions à la con. Sache pas trop s'il veut voir le jour se lever. Vous en faites pas, messieurs, j'ai rien entendu. Ils sont dans la mouise! On n'est pas encore tiré d'affaire! Roule! Bon bah, les gars de la voirie sont pas prêts de rejoindre leur femme pour l'heure du dîner! Trois bagnoles foutues. Il y en avait combien lors de l'échange? 4, 5, je parie qu'il a appelé du renfort. Bah oui, j'imagine. Il nous faudra plus de bras la prochaine fois. On aurait dû s'y attendre. Quand le patron va savoir ça, ça risque de chauffer. Plus nombreux. On tiendra pas longtemps hors de notre territoire. Retournons dans notre quartier. Au pont de West Harbor, taxi, vite. Le pont est relevé, c'est ça? Ouais. On va y arriver. Putain, mais qu'est-ce qu'on fait? S'accrocher et prier. J'avais jamais fait ça avant. Moi non plus. Bon, maintenant, Little Italy. T'as pas fini ta course. J'ai rien vu venir. Tu crois qu'il a tout balancé? Je crois que tu devrais la fermer. Et qu'on en reparlera quand on sera au bar. Très bien. On approche. Gare-toi devant le bar. Le bar de Salieri? Ouais, celui-là. Attends ici. Pourquoi faire? Quoi? Tu veux pas que le Don te remercie? Ah!
Ça, c'est pour te remercier de tes services. Et pour réparer ta caisse. Comme ça, on est quitte. C'est très généreux de votre part. Ouais. Don Salieri veut que tu saches qu'il est très reconnaissant. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, comme un prêt ou un travail honnête, hésite pas à demander. Le Don n'oublie pas ses amis. Ouais, ok, merci. Une dernière chose, l'histoire reste entre nous. Si on te demande d'où vient l'argent, tu l'as gagné au poker. Mais pour l'état de ta bagnole, t'as juste fait une embardée pour éviter une vieille, pigé ? Ouais, pigé. À plus tard, petit. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai frôlé la crise cardiaque. Il y avait assez pour réparer le taxi, même pour en acheter un nouveau. J'ai repensé à Sam qui me proposait un travail. Ça m'intéressait pas. Il y avait du fric à se faire, c'est sûr. Je voulais pas fricoter avec des criminels. Mieux vaut être pauvre et vivant que riche et mort. Donc, pour moi, c'était clair. Je marchais pas. Après la virée nocturne avec les gars de Salieri, je me suis remis au boulot. Mais c'était pas pareil. Quand on est taxi, on passe pas mal d'heures avec ses pensées. Et avec les pensées des autres. Vous là, taxi. Oui, madame. Vous conduisez ou vous lambinez ? Je conduis, madame. Je conduis toujours. Dépêchez-vous, j'ai un rendez-vous. Alors, on va où ? L'église Saint-Michel, et vite. Et soyez prudent. Je suis toujours prudent au volant. Vous seriez bien le premier. Ce tapage, je ne m'entends plus penser. Voilà, c'est mieux. Alors, vous allez à l'église ? On est déjà dimanche ? Regardez la route, s'il vous plaît.
Arrêtez-vous là, près du parc. Et voilà, Saint-Michel. Si, j'ai l'impression de sortir d'un cendrier. Ouais, d'accord, si vous le dites. Ces Italiens, tous les mêmes. Je peux pas conduire sans la radio. Allez, là, il me faut une course. C'est ça, la vitesse. Ah, on dirait que les flics veulent vous parler. À toutes les voitures, annulez les recherches et reprenez les patrouilles. Vous allez vous balader? Ça vous regarde peut-être? Non, pas vraiment. Juste pour parler. Je vous paie pour conduire. Contentez-vous de ça. Regardez-moi ça. Cette crise rend les gens paresseux. Ça leur donne une excuse pour rien faire. S'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de grande dépression, nous tomberait dessus. J'ai donc pris certaines dispositions. Des dispositions pour profiter de la crise? J'ai un rendez-vous d'affaires avec un collègue. Enfin, qu'est-ce que vous y comprenez? Quand vous trouverez un vrai métier, vous saurez de quoi je parle. En attendant, contentez-vous de conduire. Ouais, ouais, j'ai pigé. Garez-vous devant la galerie. Merci, l'ami. Voilà 50 cents. Allez pas tout dépenser d'un coup. Je vais essayer, ouais. Je tombe que sur des trous du cul, moi, aujourd'hui. Allez, au prochain. Sale gueule. Eh ben, je bosse depuis 5 heures. Et vous, c'est quoi votre excuse? Je picole. Ça m'étonne pas. Bon, on va où? Little Italy, 21ème rue. Bon, je dis pas aux flics que vous puez l'alcool. Et vous, vous leur dites pas pour les excès de vitesse? On fait comme ça? Les gens ont plus de fric pour prendre le taxi depuis la crise. C'est la merde. La seule raison qui fait que je prends le taxi, c'est parce que je suis saoul et que je suis faible. Les flics voient des poivreaux tous les jours. Ce qu'ils veulent, c'est ceux qui refourguent. Certains sont allés en cellule pour moins que ça. C'est clair. S'ils peuvent vous prendre le peu que vous avez, ils le feront. Cette vie est rongée par la corruption. C'est ça. Presque. Continuez jusqu'à l'angle, s'il vous plaît. Édition spéciale. Eh, mon cousin a un stand de café pas très loin. Dites-lui que Lucio vous envoie. C'est d'accord? Merci. Je le ferai peut-être. Putain! C'est quoi ça?
Salut mon pote, tu te souviens de moi? Hein? Maintenant, je vais devoir te dérouiller pour pas que t'oublies qui c'est le boss de cette ville. Après ça, tu tricoteras plus des guibolles comme avant. J'aime bien ce gars. Pour une fois, on s'amuse. Allez, on se le fait. Un peu ça. Ça va, petit? Dino, Lou, vous venez voir le Don? Non, non. On voulait juste parler au chauffeur, là, c'est tout. Vous passez par moi. Vraiment? Ce qui est sûr, c'est qu'on repartira pas d'ici, les mains vides. Et peut-être même que vous allez pas repartir du tout. Ok. On en reparle plus tard. Viens, Lou. Merci. On te devait bien ça. Allez, viens. On va parler au Don. Don Salieri? Ouais. Ça risque de l'intéresser, cette histoire.